Ça fait un moment que je suis pas revenu sur ce livre-là, Affrontement extraterrestre de Joël Ménard, hein, dont le livre derrière Men in Black. En tout cas, c'est pas lui, hein, c'est Fatima, le quatrième secret de Daniel Robin. Très intéressant aussi parce que j'ai revu un film où justement il perd du paranormal, mais ils ont pas fait le lien avec Fatima et les extraterrestres. Bon. Encore une fois, c'est pas inaperçu hein, dans le film. Mais voilà, je suis dit, tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ce livre-là. Une véritable petite bombe. J'avais fait toutes les mutilations de bétail, rappelez-vous, c'est énorme. Énorme avec les couleurs dans le ciel et tout de 200 mètres de long, enfin, des flics, tout ça, bon bref, et les atrocités sur les animaux, quoi. C'était au mois de juillet-août, la dernière vidéo, donc c'est pour ça que je reviens sur ce livre là. Bon, et là, c'est une histoire très intéressante. Ça n'a rien à voir avec les mutilations de bétail, mais vous allez voir, c'est très très intéressant. Je reviendrai sûrement sur ce livre là pour faire au moins une ou deux vidéos, je pense. Alors, autant commencer tout de suite. Barre des Cévennes, bavé, mis en cours. Hein, pas Missouri, avoir une arme et ne pas s'en servir. Alors c'est assez long à lire, et par contre c'est quand même assez bien documenté, c'est bien fourni, et j'aime bien parce que avec Joël Ménard c'est toujours du propre, on va dire. Bon, je dis pas que les autres c'est pareil, mais j'aime bien sa façon de le dire. Ça, c'est toujours bien bien situé, bien, bon, bref, on va dire l'authenticité, quoi. Autant commencer tout de suite. Joël Ménard, Affrontement extraterrestre. De toute façon, c'est clair et net. Il n'y a rien que le titre, déjà. Alors, je vous dis tout de suite, c'est long à lire, quand même. Barre des Cévennes, il y a 10 pages. Mais bon, après, peut-être que je vais... Ça va être peut-être plus vite, parce qu'il y a des textes aussi avec des images. Oui, en plus, bon. Je remettrai le lien du livre aussi, en plus, à la fin. Barre des Cévennes, bavé, mis sans cours, avoir une arme et ne pas s'en servir. Au cours de la période 1967-1975... Gentil Rod a apporté une contribution appréciable à la connaissance du problème OVNI. Par une suite d'enquêtes publiées dans Lumière dans la nuit, il a montré comment les manifestations de ce phénomène peuvent se multiplier dans une région donnée, tout en passant inaperçu s'ils ne trouvent personne pour leur prêter une attention soutenue. Instituteur dans la petite ville d'Evillers, dans le Doubs, Tirod s'est principalement intéressé aux observations d'OVNI faites dans cette région ainsi que dans le Morvan, mais il a également fait connaître en 1972 un cas survenu en Lozère au début de 1956 et qui apparemment a bien failli tourner à l'affrontement violent. On parle de l'ufologie. Hein. L'intérêt de cette affaire est précisément qu'elle nous fournit quelques indications sur ce qui semble, dans ce genre de circonstances, empêcher le passage à l'acte. L'unique référence concernant ce cas est le numéro 116 février 1972 de Lumière dans la nuit. Bon, après, il faut retrouver le truc. Hein. Sinon, peut-être sur article ou image, c'est possible, Google Images ou Pinterest, c'est possible qu'il y ait un lien. Vers 1h du matin, deux gendarmes, Monsieur Barboul et Simon, rentraient de leur tournée à bicyclette et venant de Cassagnac, ils approchaient du village de Barre des Cévennes. Une côte les obligeait à pousser leur vélo à la main lorsqu'ils entendirent un grand bruit. On commence fort. Ils crurent d'abord que c'était un camion, suivi d'un camion, mais le vacarme devint assourdissant et venait d'en haut. Il leur fallut se rendre à l'évidence, il ne s'agissait pas d'un camion. Ils venaient de poser leur vélo contre le mur d'une grange lorsqu'une énorme masse noire passa à une cinquantaine de mètres d'eux. En rasant le sol, elle pouvait avoir une dizaine de mètres de diamètre et seulement 1,20 m de haut. Sous l'engin, des sortes de tuyères. Une sorte de truc métallique comme ça, j'imagine. Hein. Comme des tuyaux, mais bon, bref, comme un L, quoi. Enfin, de la couleur du fer chauffé au rouge, projeté de courtes flammes. Un souffle chaud frappait les deux gendarmes, les plaquant contre le mur de la grange. Ça commence fort. Ah, déjà, ça commence très fort, je dis rien. L'objet, oui, parce que c'est un affrontement extraterrestre, hein, faut pas oublier. L'objet alla aussitôt s'immobiliser sur un terrain plein à quelques dizaines de mètres des témoins. La luminosité des tuyères diminua comme si elle refroidissait et une coupole d'un blanc ivoire mat apparut sur le dessus de l'engin. Des rayons lumineux de diverses couleurs commencèrent à être émis de la base de la coupole. Lorsqu'ils étaient orientés vers les témoins, ces rayons étaient aveuglants. De l'objet sortit ce que Barboul et Simon ont décrit comme un ballon de la même couleur blanchâtre de la coupole, lumineux mais non éblouissant. Cette sphère s'élevait de la soucoupe à une vitesse guère supérieure à celle d'un vélo. En plus, elle se dirigea vers le flanc nord-est du Castalet, un promontoire qui borde à l'est le village de Barre des Cévennes. Elle disparut un moment à la vue des deux témoins, puis elle apparut comme si elle avait fait le tour de la colline, entama un second tour, réparut de nouveau, passa à une cinquantaine de mètres. Des gendarmes, très effrayés, rejoignirent la coupole de l'engin. Les gendarmes Barboul et Simon se trouvaient à peu près moins de 150 mètres de l'OVNI posé au sol et de ses occupants. Hein, oui.
La flèche hachurée indique la trajectoire de la boule autour du Castelli. Alors, je vais vous montrer juste après. Pendant que la balle tournait autour du Castelli, les silhouettes de quatre personnages étaient apparues. Quatre. Au sol, autour de la soucoupe, leur taille et leur allure étaient celles d'hommes adultes. Ils paraissaient assez gros et se mouvaient plutôt lentement, mais l'obscurité empêchait les deux témoins de distinguer davantage de détails. Bah, déjà, quand tu vois quatre personnages, on va dire, hein, entités, je veux dire extraterrestres, déjà, ça doit la foutre, hein. Je sais même pas si ça donne envie de rester. On sait même pas d'ailleurs s'ils sont positifs ou négatifs, c'est ça le problème. Ou alors neutres, hein, ça dépend des races. Bon. Le gendarme Simon est alors le réflexe de porter la main à son revolver, se disant que si les personnages s'approchaient, il n'hésiterait pas à s'en servir. Mais, et c'est peut-être ce qui explique qu'il n'en fit rien. Son collègue, en lui se sentant comme paralysé, paralysé par quoi? Par la peur peut-être, oui c'est ce que j'allais dire, ou par le souffle chaud du violent qui continuait à les frapper. Et violent. Toutefois, lorsqu'ils racontèrent leur mésaventure à Jean Tirode, une quinzaine d'années plus tard, ils n'excluaient pas que cette paralysie ait pu être provoquée, on ne sait comment, par l'engin lui-même. Oui, c'est possible. Hein? C'est fort possible. Dès que le ballon eut pénétré dans la coupole, les personnages disparurent, les rayons multicolores s'éteignirent, et eut un vacarme assourdissant. L'objet s'éleva verticalement à grande vitesse et disparut. Bon. Les deux héros involontaires de cette aventure ressentirent des douleurs musculaires dès que l'engin est disparu. Ils n'allaient toutefois souffrir qu'aucune séquelle durable. Ils rédigèrent pardon, un rapport à l'attention de leur chef, prévenu par téléphone au lieutenant Guillaume, qui commandait la compagnie de Florac, se rendit sur les lieux. D'abord très surpris par leur récit des deux gendarmes, il finit par lui accorder crédit, car plusieurs habitants des bars des Cévennes avaient été réveillés cette nuit-là par un très fort bruit venant d'en haut. Bon, je pense que... Bon. Ensuite, des gens... vire de Marseille pour tenter d'en apprendre davantage. Monsieur Barboul et Simon ignoraient lorsqu'ils se confièrent à Jean Tirode qui était ses enquêteurs. La montre de Barboul, une Leap achetée l'année précédente, ne fonctionna plus jamais correctement après cet incident. Oui, bah, c'est comme une boussole, tout ça, de toute façon, généralement c'est ce qu'on voit comme dans les films Rencontre du troisième type, tout ça, tout il se dérègle, dans les avions aussi, hein, à travers des Bermudes, ça c'est toujours dans le même truc. Hein. Déjà, je vais vous montrer le petit dessin intéressant. OVNI au sol, gendarme, le Castelli. C'est pas fini après. Hein. OVNI au sol. Hein. On voit bien. De toute façon, j'essaie de retrouver les articles de l'époque. Je vais essayer. Logiquement, il doit y en avoir. Des journaux, des trucs. Cette affaire des bars des Cévennes appelle des comparaisons avec par exemple la soudaine faiblesse qui avait empêché Amerigo Lorenzini de faire usage de son arme à Isalo de Orto Novo le 14 novembre 1954. Voilà, ça remonte. Hein. La grande vague. Tiens, nous verrons divers cas qui suggèrent une action inhibitrice du phénomène sur les témoins, mais quand ceux-ci sont armés, les raisons qui les empêchent de tirer ne sont pas nécessairement les mêmes. Nakahalot rompt momentanément. Avec l'ordre chronologique pour évoquer trois affaires vécues par des témoins armés qui, eux, non plus, n'ont pas fait usage de leurs armes. Oui, c'est ça, il y a eu un blocage, une paralysie. Hein. Dernier redire par télépathie, voilà, faut pas tirer. Ou bref. Jean-Marie Bigorne a fait connaître en 1997 l'expérience vécue le dimanche 23 octobre 1983, vers 23h, par deux agents de douane âgés de 21 ans et 38 ans, qui, dans l'exercice de leur mission de surveillance, circulaient sur la D305 entre Bavé, Nord, dans le Nord, bah, c'est là que j'habite, et l'enquête frontière de Fay-le-Franc en Belgique. Laissons la plume à Jean-Marie Bigorne qui allait recueillir, j'ai des livres sur Jean-Marie Bigorne, ils sont très intéressants aussi, peut-être qu'un jour je ferai des vidéos, qui allait recueillir quelques années plus tard, pas Bigard, les souvenirs des deux douaniers. La départementale était déserte et la nature plongée dans le calme de la nuit. Tout à coup, à 2,5 km de Bourg, frontière belge, il voit des lumières multicolores en l'air, devant eux, plein nord, distinguant une masse noire au-dessus des lumières, ils s'interrogent, puis arrêtant leur véhicule sur le bord droit de la route. C'est un objet parallélépipédique en forme de boîte à chaussures, dont la couleur noire est mise en évidence par deux rangées de spots scintillants et multicolores, mauve, vert, bleu, jaune. Alors, sur une photo de la route qui mène à la frontière belge, Jean-Marie Bigorne a représenté l'objet parallélépipédique sur lequel les deux douaniers se sont abstenus de tirer.
Voilà, je sais pas, vous inquiétez pas, de toute façon, je remettrai l'image plus proche. Je suis sûr qu'il y a des articles, tout ça, hein, j'essaie de les retrouver, c'est obligé, hein, de toute façon. Je vois pas pourquoi, lumière dans la nuit, j'ai bien trouvé des trucs sur Google Images. Il suffit de mettre le titre, on a compris tout de suite. Bon, c'est pas grave. D'habitude, je l'ai mieux. Mais là, il veut pas. Voilà. Un peu long hein, le truc là. Bon, cet objet stationne à 50 mètres au-dessus de la route. Les témoins n'en sont éloignés que d'une centaine de mètres. Ils sont descendus du véhicule afin de mieux voir et éventuellement de mieux entendre. Mais ils ne perçoivent aucun son émis par la chose. Très inquiets, ils ne savent quelle attitude adopter, pensant être sur le point de subir une agression de la part de ces aéronefs inconnus qui semblent venir de l'étranger à une heure tardive. Ils envisagent pendant quelques instants de prendre des mesures défensives, la main prête à dégainer, redoutant une riposte disproportionnée. Ils renoncent à cette idée. L'objet démarre, passe au-dessus d'eux, monte à une allure vertigineuse et ce n'est plus qu'un lointain point brillant. Soucieux d'éviter les complications, ils ne font aucune déclaration ni à la gendarmerie ni à la police. Peur du ridicule, toujours la même chose. Quoi qu'à l'heure actuelle, il y a des gens, mais des anciens pilotes de chasse, ce que tu veux, ou commandant de bord, bon, bref, d'avions, de navires, c'est seulement maintenant qu'ils parlent de choses qu'ils ont vues, quoi. À la retraite. Hein, voilà. C'est ça le truc, c'est toujours le même problème. Alors qu'on en parle de plus en plus, l'ufologie. C'est un fait. On ne peut pas dire l'inverse. On en parle de plus en plus. Il y a plus en plus de vaisseaux au-dessus de nous. De ça, on ne voit même pas l'œil nu. Ils sont invisibles hein, souvent. Donc, bon. Mais c'est comme ça. Il y a un truc. De toute façon, c'est normal. C'est tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Tout le monde y se réveille. Bon, qui s'éveille, on va dire. Dans ce cas, rien n'indique que l'objet ait exercé une quelconque action sur les témoins pour les dissuader ou les empêcher de tirer. Ce sont les deux douaniers eux-mêmes qui ont opté pour la solution qui est estimée la plus prudente, même vis-à-vis de leur hiérarchie. Une rencontre vécue quelques années plus tôt dans l'Aisne par deux hommes armés, cette fois-ci des civils, nous amène à un constat différent. L'affaire a été exposée en novembre 1975 par Monsieur Bartel, Brucker et Maréchal. Elle s'est déroulée fin septembre au début octobre 1967, entre 1h30 et 2h du matin à Missancourt, au nord-est de Saint-Gobain, dans l'Aisne. Les témoins sont deux chasseurs. Et oui, il y a des chasseurs qui chassent la nuit. Ah oui, en plus, c'est vrai. Monsieur G et M, que les enquêteurs décrivent ainsi, G, 50 ans à l'époque, bûcheron, père d'une famille de 10 enfants, 10 enfants, à l'heure actuelle, déjà quand on a un ou deux, c'est déjà trop, non mais, avec tout ce qu'on voit, hein, le chômage et tout, mais alors là, 10 à l'époque, quoique, ça revient peut-être, je vais pas dire la mode, mais bon, quoique, si, ils en ont 3, 4, j'en connais quelques-uns, mais bon. Voire plus, solide gaillard, courageux, difficilement impressionnable, maquisard durant la dernière guerre, habitué de la nuit, sobre, homme de bon sens, au raisonnement sage et logique. M, sans sa pression d'être dans le film M et J, je sais plus quoi, là, dans Men in Black, je sais plus, bon, bref. Sans précision d'âge, mais de la même génération que G, en bonne santé à l'époque, en 1967, conduisait un pont roulant dans une usine, il est difficile en 1974 d'obtenir de lui des détails en raison de son état hémiplégique. C'était une nuit de pleine lune, on y voyait comme en plein jour, avec une température agréable. G était aussi sous un pommier à la lisière, c'est J je crois dans les menus là, je sais plus je crois, M et J, je sais plus, d'une forêt, fumant des cigarettes en attendant le retour de son copain M. Lorsque celui-ci arriva, ni l'un ni l'autre n'arrivait vu de spécial. Il n'y avait plus qu'à attendre un troisième personnage qui les avait amenés sur les lieux et devait venir les chercher entre 1h30 et 2h du matin. Au moment où M allait s'asseoir, lui aussi sous le pommier, G dit « Tiens, une voiture qui brûle là-bas. » M renonça à s'asseoir en garde. Il avait son fusil armé à la main. G se leva, ramassa son fusil posé à côté de lui et tous deux, sans dire un mot, se dirigèrent à grands pas vers une supposée voiture qui brûlait à 150 ou 200 mètres d'eux. On n'entendait aucun bruit, tout était parfaitement calme et tout d'un coup ils distinguèrent une soucoupe presque posée au sol en plein champ. Elle avait la forme d'une calotte sphérique, comme le chapeau d'un champignon de pâture, plate en dessous de 7 à 8 mètres de diamètre et de 2 mètres 20 à 2 mètres 50 de haut. Ouais, il y a toutes des formes, hein. De toute façon, c'est inimaginable les formes qu'ils ont. Hein. C'est les polymorphismes mimétiques des ovnis, comme disait Jean Sider. C'est inimaginable, ils font ce qu'ils veulent. Après, voilà, bon. C'était blanc, lumineux, sans être éblouissant, et au centre, et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose dedans. Hein. Simplement, des fois, une sonde, qui est projetée par des vaisseaux beaucoup plus grands au-dessus de nous. Hein. Même pas même pas au-dessus de la Terre, hein. Carrément ailleurs, que tu ne verras même pas l'œil nu. Mais oui, c'est comme du spectacle, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ça dépend.
Voilà, ça peut devenir de n'importe où, la lune, quoi, ce que tu veux. Ou sous terre, ou sous mer. C'était blanc, lumineux, sans être éblouissant, et au centre, on voyait une partie rectangulaire rouge comme le soleil le matin quand il se lève. S'approchant jusqu'à une quarantaine de mètres de la chose, les deux braconniers eurent l'impression qu'elle se trouvait à une vingtaine de centimètres au-dessus du sol. Ils continuèrent à s'approcher, mais quand ils ne furent plus qu'à environ 25 mètres, ils se trouvèrent soudain immobilisés, juste en même temps comme paralysés. Encore une fois, paralysés, la paralysie. L'objet parut se dilater et s'approcha d'eux. Ça faisait comme de la fumée, comme un nuage qui roulait sur nous. G, craignant que la chose ne lui brûle les yeux, se retourna vers immobile quelques secondes, puis vit que M était resté figé debout, le fusil en joue, braqué dans la direction d'origine du phénomène. Où il n'y avait plus rien. La chose avait simplement disparu, sans aucun bruit. G parla alors à son ami, qui mit un certain temps à lui répondre d'une façon décousue. Il était complètement dans le cirage. Aucun des deux ne comprenait ce qui s'était passé. Finalement, le troisième homme ne vint les chercher que trois quarts d'heure plus tard. J'espère qu'il y a peut-être eu aussi un missing time, je ne sais pas, temps manquant. M, que G n'avait vu, jamais vu dans un tel état, finit par lui dire que l'objet était passé à 1,50 m à 2 mètres au-dessus de leur tête, ce qui est vraiment juste au-dessus. Hein, tu peux même toucher presque à la main, à la limite. Hein, à la limite. À 50 cm, on va dire à 1 mètre près, quoi, on va dire. Et lui tint des propos plus qu'étranges. 10 ans, j'ai cru que je montais avec. Que j'étais comme aspiré, et j'ai rêvé que cet instant que je montais en même temps que cet engin avec mon fils mort dans mes bras. En même temps, ça rejoint un peu le livre derrière, Fatima, le quatrième secret, les gens, ils ont cru voir voilà, un truc marial, mais en fait, c'était une soucoupe. Hein. Bon. Mais là, ça rejoint, vous voyez, par la pensée, par les pensées, les rêves lucides, voilà, lui, il a vu avec son mon fils mort dans mes bras, tu vois. Il y a eu comme un brouillard très chaud. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ça rejoint aussi la série, l'excellente série de Steven Spielberg. Peut-être que j'en mettrai le lien, Disparition, que c'était en 2002, il y a moins 20 ans la série. Excellent, c'est très bien expliqué. Génération, tout ça, famille, tous ceux qui sont fait enlever par génération, j'en mettrai le lien. Et ça rejoint tout ça, c'est vrai que des fois ils voient des visions, des trucs, la mort de quelqu'un, c'est comme ça. L'incident n'avait pas duré 2 minutes. Le lendemain, G et M revinrent 2 jours sur les lieux et recherchèrent des traces en vain. Dans les 15 jours qui suivirent l'incident, M eut les yeux injectés de sang. Oui, alors ça, j'ai déjà eu ce problème-là aussi, où des gens qui saignent du nez, fortement. Voilà. Il y a du tout. Mal de crâne, les yeux, les oreilles aussi, je crois, mais souvent, c'est peut-être le nez qui coule, comme du sang. Bon. Lors des 2 entrevues successives avec les enquêteurs en 1974, l'épouse de M allait préciser à tel point qu'on ne voyait plus le blanc de ses yeux. Alors, donc, c'est les yeux. Hein. Et puis, au niveau du cerveau, ça n'allait pas. C'est ce que je viens de dire, avec la tête. Hein. En effet, M commit de graves erreurs dans son travail, mettant en danger la vie de ses collègues. Ah oui, il a été complètement perturbé. Voilà, c'est comme toi, c'est pas la même dimension, ils font ce qu'ils veulent. Pendant une période assez longue, M souffrit d'insomnie chronique. Dès qu'il commençait à s'assoupir, il revoyait la scène et avait la sensation de léviter avec son fils mort dans les bras. Ce qui avait pour effet de le réveiller en sursaut. 6 mois après la funeste rencontre, M fut frappé par une attaque d'hémiplégie à la suite d'une poussée de tension. Qu'elle atteignit 23, alors qu'en décembre 1966, lors d'un examen par la médecine du travail, sa tension n'était que 12. Ben moi, je suis déjà à 13-14 quand même. Hein. Des fois, je suis à 15. Hein. Donc, ouais, je suis déjà quand même assez nerveux, je veux dire, c'est le stress. Ça m'est déjà arrivé d'arriver à 15. Bon, là, je suis à peu près à 14. 14, 13, c'est déjà un petit peu, mais ça va, ça passe. Une fois, j'ai sûr que j'étais au moins à 18-19 parce que j'étais vraiment pas bien, je sais même plus pourquoi. Après, ça devient dangereux. Après, c'est l'inverse, quoi. C'est. Comme ma mère une fois, c'était 10. Alors là, c'est complètement lève, voire 9. Là, c'est vraiment une grosse fatigue. Mais moi, généralement, je suis à 14. 13,5, 14,5, voire 15 limites. Ouais, quand même. Hein. Mais ça, c'est dû au stress, tout ça. Ça, j'ai plus rien, mais c'est comme ça. Pourtant, j'essaye de. Bon, bref, méditation. J'ai ainsi que l'épouse de monsieur de M et M lui-même était convaincu. Peut-être ça vous intéresse pas ce que je dis là, mais bon, c'est toujours un petit. Bon. En 1974, que sa maladie résultat de sa rencontre avec le phénomène. Dans cette affaire de Missancourt, pas Missouri, tout porte à croire que c'est l'OVNI qui a empêché M de tirer par un moyen dont nous ne savons rien, mais qui a eu pour ce dernier de funestes conséquences. Voici maintenant un cas de rencontre rapprochée par un groupe de militaires armés qui furent, écoutez bien, parce que c'est beaucoup de choses en même temps dans le même truc avec les militaires, eux aussi neutralisés et subirent des effets plus étranges encore. L'affaire a été révélée en décembre 76. 500 ans après, c'est fini avec l'histoire de Missancourt. C'est parce que c'est bien, c'est qu'il rajoute des trucs en plus, et ça, j'adore des trucs comme ça.
Voilà, il reste pas basé que sur l'histoire la même. Voilà, ça c'est bien. L'affaire a été révélée en décembre 1976 par Henri Julien, qui tenait l'information de Monsieur Wolf Loup, un ancien légionnaire ayant ensuite tenu une hostellerie dans le Haut-Var. Voici son récit. C'était en mai 1967. J'étais à Madagascar, où je servais dans la Légion étrangère. Nous avons fait une reconnaissance dans la brousse. Nous avons une liaison radio horaire dans le centre. Avec le centre. À midi, nous nous sommes arrêtés dans une clairière d'environ 100 mètres de diamètre et nous avons commencé à manger. Le temps était beau. Soudain, on a vu apparaître à descendre un engin de couleur indéfinissable. Je suis daltonien. Bon, ça, après, ça change pas. Mon frère est daltonien, tiens. Mais je peux dire qu'il était très brillant, de la couleur d'une pièce de monnaie neuve sous le soleil. Autour de lui, il y avait une lueur intense, éclatante, et descendue en feuilles mortes. Hein, c'est bien fait, hein, ça. J'aurais pu être mime. On aurait dit en catastrophe un œuf oscillant au bout d'une ficelle. Sa chute fut rapide. Ah oui. Nous avons ressenti un choc au sol très fort, puis un sifflement strident. L'engin n'était plus lumineux. À partir de là, tout devint incroyable. Nous étions 23 avec un officier et 4 sous-officiers. Nous sommes restés paralysés. Nous avons tous vu l'engin atterrir et décoller, mais on ne s'est pas aperçu que le temps passait. Je m'explique. Quand l'engin est reparti, nous avons retrouvé l'usage de nos mouvements. Nous étions exactement au même endroit et dans les mêmes positions qu'à son atterrissage. Mais en vérifiant l'heure, donc missing time, temps manquant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'était passé 2h03 sans qu'on s'en aperçoive. 2h03 sans qu'on s'en aperçoive. Nous avons manqué 3 vacations radio à la base. Notre officier a eu une terrible réprimande car il était incapable de donner une explication valable. L'engin était lisse, il n'y avait ni porte ni fenêtre visible, aucune marque apparente. Bah oui, ça va pas être marqué dessus. J'allais dire une connerie. Un magasin, je sais plus quoi, Ikea, hein, bon bref. Pas d'antenne, un œuf lisse, 2 fois plus haut que large. Je ne peux plus préciser la taille exacte, étant donné la végétation de la clairière. Mais en le comparant aux arbres lors du décollage, on a pu estimer entre 7 et 8 mètres de hauteur. C'est quand même pas mal. À la base, il y avait plusieurs ouvertures que nous avons bien observées quand il est reparti. Il en sortait des feux. Pas normaux, pas comparables à tout ce qu'on connaît. C'est comme un œuf, en fait, c'est ça. Hein. Pas normaux, pas comparables à tout ce qu'on connaît. Ils avaient de nombreuses couleurs. On aurait pu croire que c'était des flammes, mais c'était sûrement autre chose. Comme quand on coupe de la ferraille avec un chalumeau. Chaque ouverture éjectait une flamme. L'ensemble faisait une grosse flamme courte d'environ le 20e de la longueur de l'engin. Il y avait des pieds, je ne les ai pas vus à cause de la brousse. Ouais, des sortes de pieds métalliques, hein, des petites tiges extrêmement fines, ça dépend. C'est ça que ça paraît idiot. On dirait un film science-fiction, mais non, c'est vraiment des pieds. Hein, quand on imagine un œuf comme ça par au-dessus. Bon. C'est comme ça, c'est. Oui, ça paraît. Bon. Mais au sol, il y avait 3 marques en triangle, là où il s'était posé. Au centre des traces, un cratère brûlé de 3 mètres de profondeur, quand même. En cône évasé vers le bas. Au fond, on aurait dit qu'il y avait des cristaux de toutes les couleurs. Comme des éclats de verre. Ça doit être magnifique en même temps. Bah, c'est des faisceaux de lumière. Hein. Des fois, même, comment dire ça, ils voyagent dans leur petit vaisseau, ça dépend les tailles, pensée, hein, par télépathie, par la pensée, ce que disait Lena Dunham dans Le Don des Étoiles. Hein. L'aide qu'elle a rencontrée, c'était par la pensée. Ils étaient rattachés comme ça avec des, je sais pas, des trucs, des sortes de trucs, là, vous savez, comme on met pour les pacemakers, ça n'a rien à voir, la cigarette, je sais pas quoi, mais j'imagine. Puis par la télépathie, ils étaient guidés le vaisseau, vous imaginez le truc. C'est par la conscience. On n'est pas dans un avion, hein. Dans un avion de militaire, des trucs, ça vaut rien à côté, ça vaut rien du tout. Hein. D'accord. Bon. Il faut se mettre ça à la place. Hein. Là, on est vraiment à un stade 10 fois au-dessus. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Déjà, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus anciens. Ils ont une technologie bien plus évoluée. Ça, c'est sûr. Bon, bah oui. Au fond, on aurait dit qu'il y avait des cristaux de toutes les couleurs, comme des éclats de verre. Le fond en était rempli, surtout dans les angles. Ça donnait l'impression d'une couronne vitrifiée. Oui. Pour partir, il est monté lentement jusqu'au-dessus des arbres, puis il a disparu comme s'il était aspiré dans le ciel à une vitesse fantastique. Il a laissé comme un sillage derrière lui. Le sang nous a donné l'ordre de ne pas nous approcher du lieu de l'atterrissage, de ne pas parler entre nous. Des spécialistes sont venus de Paris en avion pour nous interroger. On nous a fait jurer de garder le secret. Nous avons passé des visites médicales, on nous a fait subir des tests. Nous avons tous éprouvé un violent mal de tête pendant 2 jours avec bourdonnement d'oreilles et tempes battant très fort. Les tempes, hein, ici, très fort. On ne nous a pas communiqué les résultats de nos examens. Bah oui, bah après, si c'est top secret, hein, bouge par endroit. Tel est le témoignage de M. Rolf. Il décrit à l'évidence un cas de missing time ou temps manquant, vécu collectivement par 23 militaires. 23 militaires.
à moins que ce soit 28, car l'indication concerne l'effectif de la petite troupe, peut-être comprise de deux manières différentes. 23 ou 28. On va dire 23, de toute façon. Bon. On va couper la voie, les 25. Bon. On peut probablement supposer que le phénomène a empêché les légionnaires de tirer, mais sans que son action sur eux se soit limitée à cette inhibition. Quant à la nature de cette action à distance sur les témoins, elle reste inconnue, en dépit des milliers de rencontres rapprochées qui ont été rapportées depuis 70 ans. Milliers de rencontres. C'est même des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers dans le monde. C'est des millions, même, d'ailleurs. Sans compter les gens qui disparaissent, qu'on n'a jamais retrouvé, des millions de personnes. Hein. Dizaines de millions. Hein. J'ai vu il y a pas longtemps un truc dans un livre, je sais plus lequel, qui sont disparus complètement, des enfants. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Et oui. Hein. D'accord hein, après, c'est pour rigoler, bien sûr. Quant à la nature de cette action à distance sur les témoins, elle reste inconnue, en dépit des milliers de rencontres rapprochées qui ont été rapportées depuis 70 ans. Imagine que c'est en France seulement. Peut-être un peu en Italie, comme vraiment, il y avait une histoire comme ça, mais oui, après, dans le monde, ça doit être effrayant. Le chiffre doit être effrayant. De toute façon, une fois, j'ai vu que c'était environ 150 et 200 millions de témoins pour les apparitions d'ovnis, d'atterrissage, environ, dans le monde. Environ dans les 200 millions. De témoins, et je suis sûr que c'est même bien plus que ça, parce que sans compter ceux qui l'ont pas dit, c'est peut-être dans les 300, 400, 500 millions. Pour dire, oh, qu'il y a rien, bien sûr, c'est dans la tête, bien sûr, c'est le projet, je sais pas quoi, bon, bien sûr, c'est la pyramide qui dirige, bien sûr, il y a toujours les trucs pour nous, bon, bref, mais non, faut se mettre à la réalité, il y a la vraie ufologie, et l'ufologie, on va dire, un peu tordue, mais là, c'est la vraie, c'est la pure. Ça c'est bon, c'est du pur, ça, c'est du pur, c'est des. Voilà. C'est comme quand tu bois un bon jus de pomme, c'est du vrai. Pas du tout que tu trouves au magasin. Voilà, ça c'est du vrai, un vrai ufologie. Voilà. Hein, que tu viens de presser les pommes ou je sais pas, jus d'orange, ce que tu veux. Voilà. Barre des CVN bavé, mis en cours, avoir une arme et ne pas s'en servir. Et je coupe là, il y a un petit flou, c'est pas grave. Et c'était très intéressant parce qu'en même temps, il balance plein de trucs. Et ça, j'ai admiré. J'ai admiré parce que c'est toujours magnifique. Jusqu'au bout, et après il passe à l'histoire, j'avais déjà fait, je crois. Ouais, ça j'avais déjà rencontré, c'était l'histoire d'avant. Où j'avais déjà montré, c'était Germain Tichit, sans protège de ses mains et continue à avancer. Rappelez-vous de ça. D'avoir oui, la dernière fois, c'était la vidéo d'avant. Bon, de toute façon, peut-être que je remettrai bien en dessous, je sais pas, je viens. Voilà, je coupe là. Très grande vidéo, bah je m'en doutais, parce que 27 minutes. J'en mettrai des liens, j'essaie de retrouver des liens aussi sur cette histoire-là. L'authenticité, les faits, quoi. Et je vais essayer, hein, la véracité, je vais essayer de trouver des trucs. En tout cas, j'en mettrai le lien du livre, hein, devant, derrière. Joël Ménard, que j'adore, que j'admire beaucoup aussi. Hein. Surtout, c'est une méthode de bêta, j'avais fait 3 vidéos de 20 à 25 minutes, magnifique, magnifique. Il y avait des trucs que je ne savais même pas. Il n'y a pas que le Chupacabra, tout ça. Après, il y en a qui vont dire que, comme une fois, FR3, je pique la chaîne, c'était une secte, tout ça. Vous m'avez même pu répondre, de toute façon c'est ce que c'est, hein. Je veux dire l'autre côté, l'écran là, que tu regardes, le bac, l'aquarium, bon bref, je coupe, merci, à bientôt, d'ici 2 à 3 jours, j'ai fait plein de vidéos que j'ai toujours pas balancées, des trucs énormes sur le don des étoiles avec Elena Danan, j'en ai encore tout plein, et j'ai pas fini d'en balancer, j'en ai fait au moins 20-25 d'avance, le problème c'est que j'en balance, j'en fais, mais j'en mets pas assez, je voyais, tous les 2-3 jours. Donc en fait, ça se rajoute. Donc j'ai beau balancer tous les 2-3 jours, mais moi je refais des vidéos entre deux. Donc en fait, il y en a plus que ce que je dépense en vidéo, je veux dire, sur que je télécharge, je veux dire. Donc bon. Après, c'est comme ça. Hein. Mais de toute façon, quand t'as une passion, voilà, ça, les canons, voilà, j'ai plein de passions de toute façon, le cinéma, les dessins, les croquis, bon, ouais, j'ai plein de passions. Et là, plus, pour moi, le truc le plus important, c'est l'ufologie. Ça restera l'ufologie. Ça, quand déplaise à tout le monde, c'est tout, c'est une vérité. De toute façon, un jour ou un autre, je pense qu'on sera au courant hein, de ces faits, de l'authenticité, voilà. Et puis qu'ils sont là, quoi, c'est tout, c'est comme ça. On peut rien y faire. Néfaste ou pas néfaste, ça dépend des races, ça c'est comme ça. Affrontement qui s'intéresse de Joël Ménard, les dossiers non classés, le Mercure dauphinois. Alors là, c'est une vieille photo, hein, parce que ça, c'est bon maintenant. Hein. Là, c'est surtout les années 80, je pense. Hein. Ouais, je dirais. 80-90. Voilà, je coupe là. C'est un livre qui est vraiment intéressant. J'avais oublié de le souligner. Sur... Très, très intéressant. A plus, d'ici 2-3 jours. Je sais pas ce que j'ai balancé. J'ai pas fait plein de vidéos d'avance. J'en sais rien. On verra. A plus.